matière d'hébergement, quand on voyage, le problème c'est souvent l'hébergement qui coûte cher. Oui. Que là, vous avez trouvé des sites avec des prix défiant toute concurrence. Ah oui, souvent. Un peu partout d'ailleurs. Dans les voyages, on trouve effectivement des choses très intéressantes pour l'aérien, souvent, les compagnies low cost, etc. Mais le poste vraiment de l'hébergement dans les voyages, c'est assez important. Je parle sous votre responsabilité. Hein, vous, à moins d'avoir des amis partout dans le monde. Et non, voilà. Non, c'est... Mais nous n'avons plus d'amis, nous. Alors, une fois n'est pas coutume dans cette chronique, aujourd'hui, pas de découverte d'un pays, mais de découverte de sites. J'en ai répertorié 3, parce qu'il y a vraiment une inflation de sites qui vous proposent des prix à la baisse. Ça grimpe pour le nombre des sites, mais ça baisse pour les prix. On commence par, alors, Bedikaza. Il y en a 3, hein, pour aller dormir chez l'habitant. Pour aller également dans des mobilhomes ou des campings en France et puis dans des résidences hôtelières en montagne pour les prochaines vacances au ski. Alors, premier site, c'est Bedikaza, spécialiste donc du logement chez l'habitant. C'est une tendance qui est en train vraiment de se généraliser. Les gens adorent aller dormir chez l'habitant, c'est comme ça. Ce site à l'étranger ou même en France, Ce site répertorie quand même 16 000 logements et 15 000 personnes ont déjà voyagé avec ce site. Autant vous dire qu'on est en terrain de confiance. Alors, la première destination que je vous propose, c'est en Amérique du Nord. Et là, c'est à Québec et plus exactement à Lévis, c'est en face. Vous voyez, vous prenez ce qu'on appelle là-bas le traversier. Vous prenez un passage au milieu des glaces. Et puis, évidemment, vous pouvez aller visiter la place Royale, par exemple, à Québec, juste en face. C'est très pratique. Allez-y en hiver. Il fait souvent entre moins 10 et moins 20 degrés. C'est très, très sympa. Oh, et alors, sur ce site... C'est attractif quand vous dites ça. Allez-y en hiver. Si, mais si, parce que c'est un froid. C'est pas comme à Paris. C'est un froid sec. Pas humide. Moi, je me suis déjà retrouvé en t-shirt à moins 20 degrés là-bas. Ça ne pose aucun problème. Non, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous dit pas vous allez dans un appartement à Lévis, en face de Québec. On vous dit vous allez chez Ariane. Parce que tout est personnalisé. Vous allez chez quelqu'un. Donc, vous allez chez Ariane à Lévis. Et donc, vous êtes retrouvé en t-shirt chez Ariane. Et voilà. D'accord. Vous avez une vue sur le fleuve Saint-Laurent qui est magnifique et sur la ville de Québec. Et s'il vous plaît, pour 40 euros la nuit. Qui fait ça aujourd'hui en matière hôtelière? Regardez, c'est quand même sympa. Donc, lit double, 2 places. Et vous pourrez donc découvrir la ville de Québec est juste en face en prenant cette navette au milieu des glaces. Le Saint-Laurent, en ce moment, est pris entre les glaces. Quand on va chez l'habitant, comme ça, il y a des garanties au départ. Il faut que ce soit des habitations à 2 ou 3 chambres, ou il suffit qu'il y ait une chambre d'amis, non. Qui est une salle de bain particulière. Il y a des... Souvent, on partage, mais attention, hein, en tout bien, tout honneur, on partage la salle de bain. Avec Ariane et y compris les cabinets de toilettes. Ça n'est pas privatisé. Quand même, pour 40 euros, il ne faut pas en demander trop. Deuxième destination que vous aimez bien, alors si vous n'aimez pas le froid, vous allez être contente, Sophie. La destination de la Guadeloupe. Allez, on y va, on danse. La Guadeloupe, donc, avec des plages très, très belles. Nous avons présenté au cours d'une spéciale Guadeloupe. Grande Terre, et puis alors tout au nord de la Grande Terre, la Porte d'Enfer et la pointe de la Grande Vigie. Donc, en ce moment, c'est la bonne période pour aller là-bas. Et la Guadeloupe n'a pas la réputation d'être bon marché, hein, en général. Hein, et les prix sont quand même dopés vers le haut. Écoutez bien, Sophie, je vous propose, là, c'est une nuit chez Nicole, cette fois-ci, 25 euros. 25 euros la nuit. Comme par hasard, il n'y a que des habitants. Mais ce sont elles qui s'occupent des logements. Et c'est entre Sainte-Anne et Le Gosier. Mais regardez comme c'est sympa, c'est décoré avec chez vous. Chez Nicole, donc. Voilà. Et vous pourrez même, avec ses 2 fils, Wendy. Je vous présente toutes mes amies dans le monde entier. Non, je ne me permettrai pas. Voilà. Elle est sympa. Et ses 2 fils, qui s'appellent Wendy et Josué, vous feront découvrir les alentours. Donc, une chambre pour 25 euros la nuitée, c'est quand même pas mal pour la Guadeloupe, non? C'est pas cher. Troisième destination. Josué, Wendy. Alors, encore une ville qui n'a pas la réputation d'être bon marché. C'est en Europe cette fois-ci. Elle est même très chère au niveau logement. Alors, Londres, elle est pas qui comme ça, évidemment. C'est très cher. Alors, on est logé. Je vais vous dire, on découvre un peu la grande roue de Londres qui domine toute la capitale. Et évidemment, les quartiers où vous allez faire du shopping. Parce que lorsque l'on va à Londres, on ne coupe pas au shopping. Là, vous allez chez Grace. Grâce.
Vous allez chez Grace pour 43 euros la nuitée. Regardez, c'est quand même sympa ça. À 20 minutes du centre de Londres. 20 minutes du centre de Londres. Donc on ne peut pas en demander plus. Alors, jusqu'à deux personnes. Chez Grace, mais il y a plusieurs personnes qui proposent un logement à Londres sur ce site. Voilà, oui. Il y a énormément de 16 000 logements, une fois encore, qui sont répertoriés sur ce site. Donc voilà, ça alors c'est... vous avez des clés, comment ça se passe? Vous êtes indépendant, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Après vous tapez sur le site, tout est expliqué sur le site et vous êtes indépendant évidemment. Mais un des plaisirs de voyager de cette façon, vous immergez dans le pays, Sophie. Voilà, vous n'êtes pas un anonyme. Didier, on peut être seul dans l'appartement. On peut être. Alors ça dépend, ce sont des arrangements à trouver avec le propriétaire. Si vous dites, je ronfle la nuit, dégagez, je veux être seul, vous trouvez un arrangement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?